Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux? Et il y a quelque chose en vous qui s'émeut à la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement. Et c'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc, faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un trouble, un grand trouble, surtout quand c'est la première fois. Mais dis-moi, ton père m'avait parlé de Khaled ? Non, mais mon père, il parle trop. Non, moi, je veux pas. Bah, tu vois, ce que tu m'expliques, là, moi, Khaled, bah, ça me fait rien quand je le vois. Oui, bon, alors c'est que c'est pas très sérieux. Bah, c'est mon père qui veut, moi. Ah, là, c'est un autre problème. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Et voilà, alors j'ai répondu à cet amour-là. Ça fait longtemps maintenant, hein. Plus de 60 ans, oui. Mon cœur au fond de moi s'épouvante.
suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse.
Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie à lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toute la vendange et la moisson. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sœur Rodette a été abattue aujourd'hui en pleine rue. Comment ne pas faire mémoire de sa vie ce soir? Sur le visage infiniment regardé d'une mourante, Seigneur, tu es notre espérance. Vers toi, elle distingue la clarté de la vie. Pense à elle. Dirige-la vers ton royaume. Comme hier en Palestine, comme demain dans un désert brûlant, nous sommes là, tout près de sa beauté et de sa douleur blessée, au plus près de toi, le vivant. Nous la regardons, c'est ton visage. Nous t'admirons caché dans son obscurité. Ouvre ses yeux et réponds-lui, Seigneur. Éblouis-nous de ta clarté. Garde-nous de la pesanteur du néant. Que la victoire n'existe pas. Que l'adversaire n'est pas la joie d'une défaite.
Amen.
S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant ici, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera, peut-être, la grâce du martyr, que de la devoir à un homme d'ici, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les habitants de ce pays pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Ce pays et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'évangile, appris au genou de ma mère, ma toute première église, précisément ici, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Mais ceux-là doivent savoir que je serai enfin libéré de ma plus lancinante curiosité et que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larron heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen. Inch'Allah.